Salut, c'est Seb. On se retrouve pour donc une nouvelle vidéo sur GT Sport. Le championnat a démarré, c'est même la deuxième manche. Alors j'ai pas fait la première, je l'ai pas diffusée en tout cas parce que je l'ai pas faite. Tout simplement, j'ai complètement zappé. C'était mercredi dernier, j'ai pas trop eu le temps. Donc on est ici en groupe 3 sur Monza en version sans chicane. Donc c'est assez original. J'ai signé, pour ceux qui l'ont peut-être vu, je sais plus si j'ai mis sur Twitter ou Facebook. J'ai signé chez Ford. Voilà, c'est un choix un petit peu original, j'ai voulu quitter McLaren pour lequel c'était bien passé. Et on se retrouve, je pense que vous le voyez ici, avec la roue au ronde. En fait, j'essaye de coller à la réalité. Donc forcément, là, avec le matériel que j'ai pris la roue ronde de chez Fanatec pour aller sur la Ford. Que vous dire, qualif de merde, j'ai fait 16e sur 20. Et bah, j'ai été gêné, en fait, il n'y a que 3 tours. Donc qu'est-ce que tu veux faire en 3 tours? Pas grand-chose. C'est ma troisième tentative, donc on va voir ce que ça donne. Je vous embête pas plus, on se retrouve sur la grille de départ. Allez, on est parti, grille de départ, on est dans le virage. Au niveau de la parabolique, donc 15 tours. Alors, donc comme c'est ma troisième tentative, pas besoin de refuel, pas de changement de pneu sur cette session, donc c'est plein pot tout le temps. Allez. Donc on est sur PS4, hein. Je me suis pas branché sur la PS5 pour la simple et bonne raison que mon. Simple et bonne raison que mon. Tout l'équipement est dans le bureau. Et que la PS5 est partie sur l'écran OLED. Allez, on va être gentil derrière, on va pas y aller. On va pas y aller. Pas la peine. T'es obligé de protéger, sinon le gars il y va. C'est ça le problème. Ouf, voilà, j'ai suivi tout le monde, je sais pas pourquoi. Donc les pneus sont morts déjà. Ah vas-y, pousse-moi, ça sera bien. Mais sérieux. Qu'est-ce que tu fais, ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Allez. De pire en pire. Concentration. C'est que le début, tout le monde est encore collé. Il y a moyen de revenir. Sur ma tentative précédente, à la fin du premier tour, j'étais 9e. Donc autant vous dire que. Ça donne pas trop la confiance. J'ai bien entamé les pneus. Freinage de merde. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'accrochage, hein. Pas trop d'erreurs pour l'instant. Ça n'a pas été calme sur les deux premières manches. Ah, quoique là-bas, j'ai peut-être parlé trop vite. Il faut au moins que je fasse mieux que 9, parce que j'ai fait P9 à la dernière.
Là, les mecs qui ont 4 et 3 secondes, c'est compliqué. Je sais pas si ça va finir là-bas, mais... Faudrait que j'arrive à la hauteur quand il y a la pénalité. On va y arriver. Tu fais quoi toi, espèce de... Eh, prends ça dans la gueule, connard. Ah, j'en ai marre de ces joueurs de merde. Fait perdre du temps. En plus, il y a une connexion de merde. Ouais, la distance qu'il y a devant maintenant. Ah, il faut composer avec les gars de devant, les gars de derrière. On va accélérer un petit peu parce que de toute façon il va avoir sa pénalité. Vas-y gars, passez entre deux. Je suis en train de faire n'importe quoi. Vas-y, pousse-moi. Vas-y. Ah, c'est... envie d'envoyer le volant valser. Je fais quoi moi là? Arrête de zigzaguer, bordel. Allez, encore une demi-seconde. Tu vas où toi? C'est la pire tentative que j'ai faite, je pense, très honnêtement. Mmh.
Non, mais je joue pas au con. Ah, je suis en train de me faire chier de rouler à contre-nature, pas envie du tout. Ah, on dirait bien. Ouais, il faut se battre, sérieux. Ah, Mikos, mes pneus sont déjà attaqués, mais putain. Mais tire-toi! Ah, je vais quand même pas une pénalité avec ces conneries. Ah, moi ça, couillon. Ah, je vous jure, j'ai envie de rage quitte. J'ai jamais été aussi proche. Regardez-moi les deux là devant. Encore un espagnol dans l'eau. Oh là là là.
pas devant, te mets pas devant. On va mettre un petit peu de traction control parce que là ça devient un petit peu compliqué. Allez, on vient de purger la pénalité de merde. Ah, faudra au moins que j'arrive P9, donc je vais faire un 15ème. J'ai encore 6 places à gagner. Il reste 5 tours, ça va être mission impossible. Mais bon, on sait jamais. Un coup de chance, un carton, un carambolage. Ouais, les pneus sont plus en très grande forme. Hein. Coucou l'Espagnol, j'arrive. Oh mais putain. Espèce d'enculé. Tu vois comment je vais te bouffer. Voilà ce que tu vas faire. Ouais, moi aussi je vais te serrer moi. Alors on se fait quoi? Hein? Bête, hein. Ouais, il y a 2-3 bagnoles devant. On va essayer de limiter la casse. De toute façon, quand t'as deux bagnoles côte à côte comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'ils se poussent, il faut qu'ils... Je sais pas, c'est pas pour rouler proprement, c'est... Allez, il va rester 3 tours. 4 places devant.
Alors potentiellement deux. Ouh là là, je l'avais dit. Je l'avais dit. Malheureux, mais je l'avais dit. Allez. Si je suis dans le P10 déjà, je reviens de loin. Ah, là-bas, ça double. Allez. Soit 4 secondes 3. Ils sont en bagarre, donc on croise les doigts. Oh oui, ça se décale à fond là-bas. Ouh là là. Un mal se termine cette histoire. Bizarrement, ils n'ont pas de pénalité, donc ils sont en train de se gêner mutuellement, mais... Allez, il va rester deux tours. Ils vont voir que je suis en train de revenir, ça va les mettre encore plus la pression, je pense. On va se dire merde, on se bagarre et puis derrière ça revient. Ils sont après, c'est trop loin. Donc on va se concentrer sur ces deux-là. Ça sort, où ça sort, et voilà. Et on va se battre avec ses pneus. Déjà être revenu dixième, c'est incroyable. Le dernier tour, il a 1 seconde 7. Pareil compliqué. Il l'a mal pris. Je suis pas assez prêt pour le spi, je pense. Je vois pas ce qu'il a comme voiture.
Je voulais 9e par rapport à ma dernière course, mais bon, 10e ça va encore. Je vous le dis, je reviens vraiment de très loin. Je vais pas trop me plaindre. Et dernier freinage. Bon, désolé hein, si j'ai été un petit peu énervé. Enfin, c'est la troisième tentative. Il y a des connards de partout. Voilà, c'est assez pénible finalement d'être confronté toujours au même souci. Les mecs en pleine ligne droite, ils se mettent au milieu, ils se décalent. Sérieux les gars, c'est pas de la course. C'est pas de la course. Il est anti-sportif, tout ce que tu veux, mais va jouer à autre chose. Va jouer à Mario Kart, c'est pas la peine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va juste regarder combien de points j'ai. Donc certainement, bah oui, même moins de points que ce que j'avais précédemment. Ah, il y en a un qui s'est tapé 3 secondes. Ah, donc il est encore devant moi. On va rester 10e, on va juste regarder les points. Donc n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en avez pensé de cette course pour cette reprise. Hein, désolé, j'aurais préféré un meilleur résultat. Mais bon, le split était peut-être élevé également. Donc je termine bien 10e avec combien 50 70 points. Bon, bah ça se prend, c'est pas si mal que ça. Moi en tout cas, je vous laisse là-dessus. Et puis on se dit à une prochaine. Salut!